Ikai, Ikai, Ikai. Muchachos, los familias, comment allez-vous? C'est Théo, écoutez-moi, ça va être très extrêmement bien, plutôt. Aujourd'hui, on va parler Le Vest, on va parler Cyronade, on va parler Tuerie, on va parler Packaging au top, on va parler tout simplement aujourd'hui. Alors, oh là, parti un peu dans les aigus. Cyronade, composé de 4 jus, tout simplement. On a du pamplemousse, on a de la pomme, on a de la violette et on a de l'orange. Qui est juste là. Bon, certes. Effectivement. Mais qu'est-ce que l'on peut dire sur les Cyronades? Est-ce que c'est des jus qui valent le coup? Est-ce que c'est des copies d'autres jus? On ne saurait dire. Et au final, si on y pense, les Cyronades, c'est un jus en 60 ml plein, fourni avec un Vapomix de 30 ml. Mais à quoi sert un Vapomix, tu me diras? Écoute, je t'ai gardé un Cyronade d'orange pour voir l'intérieur du packaging. Quand tu vas l'ouvrir, tout simplement, tu auras, comme je te l'ai dit, le jus en 60 ml plein. Composition 50-50, fourni en 0 de nicotin. Et un Vapomix. Mais qu'est-ce qu'un Vapomix? Oui, qu'est-ce qu'un Vapomix? Merci, c'est vrai. Un Vapomix! C'est une petite merveille. Hein. On regarde. Je te zoome. Je t'en ai déjà parlé, hein, mais ça se peut que tu aies déjà oublié. On fait un petit zoom comme ça en mode waouh, c'est juste magnifique un Vapomix. Et en fait, tu viendras tout simplement graduer ta nicotine et après remplir. Et surtout, oh, désolé. Mais surtout, la chose très très bien, c'est que tu emportes avec toi 30 ml et non 60 ml. C'est déjà très très bien ça. Et ça te permet de nicotiner jusqu'en 9 mg of the nicotine. Voilà, ça c'est parfait. Au niveau du packaging, on est sur un carton. J'ai oublié le terme spécifique. Et je vais me faire encore taper sur les doigts. Un peu en reflet. Un peu cartonné reflet. Et ça, Olivier, c'est que j'adore ce carton-là. Parce que je trouve ça juste esthétiquement très très beau. Et même dans un magasin, vous voyez ça, vous êtes en mode waouh, c'est beau! Et voilà. Nous sommes sur des liquides français également. J'ai oublié de vous le préciser. Je ne vous précise pas tout. Derrière, on aura tout ce qui sera recommandation. Recommandation non glycérine végétale en 50-50. Traduit en différentes langues. On a les précautions d'emploi, etc. On a leur adresse, interdit aux moins de 18 ans et recyclable, comme les boîtes de chewing-gum. On a les saveurs. Donc par exemple, celui-ci, c'est un violette. Là, j'ai un pamplemousse. Là, j'ai un. Ouh, il est bon celui-là. Un pomme. Et un orange, tout simplement. Alors, le violette. Vous avez vu, hein? Ouais, vous aurez un petit sticker aussi à l'intérieur. Le violette, bah, il n'y en a plus. Ouais. Paix à son âme, parce qu'il est très très bon. C'est un. Moi, grand, grand fan. Sauf un peu bizarre, dit comme ça. Mais moi, qui suis un fan de la violette de Toulouse, de chez Flavorat. Flavlorite plutôt. J'adore. J'adore leur violette. Et voilà. Et là, ce Pape Expo, Olivier me fait écoute, viens ici et teste-moi ce violette. Oh, pas de. Déjà entre nous, hein, on se calme. Mais non, c'est très bon. On est sur quelque chose comparé à la violette de Toulouse, je trouve, de quelque chose de plus sucré, mais moins frais. Et on retrouve vraiment non pas le bonbon, mais plutôt la fleur de violette. Comme pour ceux qui ont déjà bu du sirop de violette ou des choses comme ça. C'est vraiment ce côté. Donc du coup, c'est ça qui est cool, c'est que celui violette de Toulouse et violette Cyronade, c'est carrément deux violettes à l'opposé, mais deux violettes, l'une de l'autre, très agréable en bouche. Et ça, bravo, parce que vous aurez pu faire. Je vais parler du coup de violette Cyronade. Ils auraient pu très bien faire un copier-coller pas très clean. Et ils ne l'ont pas fait. Et bravo pour ça parce qu'il est extrêmement bon. Mon violette, je le valide à 100%. Et je pense même en racheter très bientôt. La pomme. La pomme, la pomme, la pomme. Je m'attendais à tomber sur une pomme verte en voyant le double pomme. Je me suis dit, tiens, peut-être une double pomme aspect chicha. Ça se peut. Ou alors c'est moi qui est un peu bizarre. Mais non, on tombe sur une pomme un peu sucrée, un peu comme les bonbons. J'en ai pas là sous la main. Les bonbons un peu acidulés, frais également, et on tombe. C'est vraiment un aspect pomme-bonbon. C'est pas désagréable du tout. Alors, un inconvénient,
Oui, bah oui, Théo est le mec relou, Théo qui reçoit ça gratos, mais Théo qui ouvre. Un inconvénient quand même, c'est que dès que je le mets sur le Dead Rabbit, que je tire 2-3 gros staffs, et pourtant mon jus est toujours imbibé. Ouais. Je me chope un Draït. C'est pas un gros Draït, hein, c'est un petit Draït de bébé, mais. Voilà. Je voulais dire quelque chose de chiant en fait. On va pas venir parler du orange, on va venir parler du pamplemousse en premier lieu. Parce que c'est pas possible, c'est encore un complot. Je n'irai plus au Vapexpo parce que chaque fois que je sors du Vapexpo, j'ai les poches pleines. Plus de cartes bleues bizarrement. Et ça me saoule. Le pamplemousse. J'ai expliqué à Olivier que. Désolé de vous avoir fait bouger. Je déteste le pamplemousse en soi. En lui-même, c'est un jus que je trouve. C'est injuste. Un produit, un fruit, un légume, une viande, tout ce que vous voulez. Pas bonne. Pour ma part. Trop sucré, trop acidulé, enfin, tout ce que vous voulez. Bah là, je l'ai vapé sur le dripper. Et bah, j'ai eu ma petite larme parce que j'ai bien aimé. C'est un complot sans. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais mon corps et je ne comprendrai jamais mes saveurs. Mais. Plus de sérieux, le pamplemousse, même si vous n'appréciez pas le pamplemousse en soi, comme moi, je pense que vous pouvez simplement le tester. Je trouve pas cette note acidulée qui me dérange justement sur le vrai pamplemousse, mais j'ai un petit côté sucré. Ouais, je trouve des côtés sucrés partout, mais plutôt correct. Alors, l'avantage de ça, du pamplemousse, entre guillemets, c'est qu'on vient de se rapprocher d'une autre chose, d'une boisson plus connue, la limonade. Et ça, c'est très positif. Je pense que moi qui gros fan de limonade, je pense que c'est ce côté qui m'a fait aimer, entre guillemets, le pamplemousse. Ça c'est plutôt buenos noches. Évidemment, on aura toujours un petit côté fraîcheur. Alors, s'il vous plaît, parce que je vois énormément de commentaires me dire oui, mais il y a de la fraîcheur, donc il y a de la menthe. Non, il faut bien comparer la menthe, l'arôme menthe, le Sub-Zero, par exemple, ça c'est mentholé. Et le côté frais, le côté fraîcheur. C'est comme si vous bouffiez 40 Hollywood chewing gum et voilà, t'auras un côté frais tout simplement. C'est le même côté. Il faut vraiment différencier les deux choses, c'est pas le même délire. C'est pas parce que là on vous met côté frais que vous aurez de la menthe. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la menthe. Notre petite orange, l'orange du marchand comme on dit. Juste sur le côté, en passant, vous aurez les saveurs. Un focus. N'hésitez pas à faire un don pour le focus. Hein. Le pauvre, il a été retiré de ses parents. Bon, du coup, voilà. Là, vous voyez en grand, ingrédient. Voilà. Alors, l'orange, ils disent que, tout simplement, c'est du sirop d'orange, de la limonade fraîche. Moi je trouve que je tombe sur une orange chimique. Voilà. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais je pense que je vais le retester parce que je l'ai pas vapé énormément. Parce que je tombe à chaque fois. Sur une orange. Un peu les bonbons. Les bonbons à l'orange. Et j'ai jamais été fan de ça. Dans tous les cas, quand j'ai vu qu'il y avait orange et pamplemousse, je me suis laissé tenter par le kiff. Violette et pomme, je savais que j'avais déjà les séchés de base, mais il me fallait bien un petit côté négatif. Hein. Relou que je suis, c'est obligé. Le côté orange, je sais pas ce que je trouve en négatif, malheureusement, parce que la gamme là est déjà très très bonne. Et le côté orange, je sais pas, je trouve que c'est côté un peu bonbon qui me dérange. Après. C'est ça qui est bien avec ces gammes-là, c'est que ça vous permet de voir différents retours et après de vous faire à vos idées, mais surtout à vos goûts. Est-ce que ça pourrait vous plaire ou pas? Voilà. Sur ce, si cette petite revue t'a plu, tu sais quoi faire. Si elle ne t'a pas plu, tu sais pas quoi faire. Donc c'est tout. Je vous fais à tous de très gros bisous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo. Ça va être mon nouveau cri de guerre, ça.